Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences. Aujourd'hui, on va parler des éleveurs qui innovent. Pour la première fois au Salon de l'Agriculture, un taureau né sans cornes de race Salers est présent. Aujourd'hui, j'accueille Renaud Le Morvan. Vous êtes le propriétaire de ce taureau né sans cornes. Vous êtes éleveur en Corrèze. Vous exploitez avec votre frère 200 hectares, dont 190 hectares d'herbe. Alors, ma première question, pourquoi avoir choisi de s'orienter vers ces taureaux nés sans cornes ? Bonjour à tous. Nous avons fait ce choix il y a une dizaine d'années avec un groupe d'une trentaine d'éleveurs, tout simplement pour répondre à de nouvelles exigences professionnelles et sociétales. Professionnelles, c'est par rapport aux risques qu'on court en agriculture avec des animaux qui ont des cornes pour la manipulation. Et puis sociétales aussi, c'est par rapport au bien-être animal, parce qu'à un moment ou à un autre, les cornages, ça reste une mutilation, ça reste une souffrance pour un animal, et le fait qu'il naisse naturellement sans cornes, eh bien nous permettent de répondre à ces deux exigences. Alors, un taureau né sans cornes, c'est aussi pour éviter que les animaux se blessent entre eux, se donnent des coups de cornes dans la panse ou autre, c'est ça ? Tout à fait. Dans un premier temps, c'est vrai que y a un exemple qui est assez simple à donner. Vous prenez la Suisse. En Suisse, il n'y a pas d'armée. La Suisse ne fait la guerre à personne. Eh bien, les bovins, c'est exactement pareil. Si vous leur enlevez les cornes, eh bien, ils n'ont plus d'armes. Et quand on n'a pas d'armes, on ne fait pas la guerre. On est pacifique. On est beaucoup plus doux. On est plus facilement manipulable. Et on accepte plus facilement ses congénères. Mais alors, pour les puristes de la race, une Salers, est-ce qu'une Salers sans cornes, c'est encore une Salers ? Une Salers sans cornes, c'est encore une Salers. Pour preuve, les instances raciales ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que cette année, en avant-première, même en première, eh bien, il y ait un animal naturellement sans cornes. On ne remet pas en cause la beauté de l'animal avec des cornes. On ne remet pas en cause le choix de certains éleveurs de posséder des animaux avec des cornes. Au contraire, ce sont des choix d'élevage. Par contre, il y a des exigences commerciales aujourd'hui qui sont là et auxquelles on doit répondre si on veut que notre race continue à se développer sur l'ensemble de la planète. Alors, comment on parvient à obtenir un taureau né sans cornes ? Alors, à notre niveau, nous avons fait un choix qui est simple, c'est appuyé sur le travail des pays anglo-saxons, de l'Amérique du Nord, en particulier du Canada et du Royaume-Uni. Les éleveurs dans ces pays-là sont beaucoup plus en avance que les éleveurs français et on leur a racheté la génétique sous forme d'embryons ou sous forme de semences qu'on a remis sur nos souches franco-françaises pour fixer le gène par introgression. Alors est-ce que ces animaux ils sont aussi beaux que... Est-ce qu'ils produisent autant de viande? Est-ce qu'ils sont aussi productifs que des animaux traditionnels avec cornes? Alors c'est comme les jolies filles, il y en a une qui vous plaira, elle ne me plaira pas à moi. Eh bien les vaches c'est pareil, les puristes et c'est normal, une vache avec des cornes c'est majestueux, c'est joli, c'est l'emblème de la race et tout le monde reconnaît à la race cet emblème. Mais en dehors de ce caractère là, aujourd'hui nous avons suffisamment évolué en génétique pour avoir des animaux totalement identiques et d'un même niveau esthétique et de production que des animaux cornus. Derrière, votre objectif, c'est de vendre cette génétique, que le gène sans corne se développe ? Tout à fait. Alors, je le redis encore une fois, il n'est pas question d'opposer les animaux avec ou sans corne, mais c'est vrai qu'à l'exportation, c'est vrai qu'en dehors du bassin de race, les éleveurs, en majorité, préfèrent les animaux sans corne. Sur les pays anglo-saxons, vous ne vendez plus de génétique aujourd'hui avec de la corne, c'est fini. Les gens n'en veulent plus. Et donc, si on veut être toujours les leaders des races à viande dans le monde, si on veut conserver cette place, on se doit de pouvoir offrir à nos clients la possibilité d'avoir des animaux naturellement sans cornes. C'est bien accueilli par les éleveurs ? Est-ce que c'est pas ça finalement le point faible du gène sans cornes ? Vous trouverez toujours, vous savez, une population d'éleveurs, c'est comme n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Il y a des gens bien, des gens compréhensifs, et puis il y a des gens qui sont beaucoup moins bien ou très refermés au niveau de l'esprit. Ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Mais ce qui est important, c'est que dans une race qui est emblématique, qui est des montagnes, qui est majestueuse avec des cornes, on a des instances raciales qui se sont énormément investies par rapport à ça, qui ont pris des risques en termes de communication aussi, il faut le reconnaître. Eh bien, si elles l'ont fait, c'est quand quelque part, il y a un soutien massif de la race par rapport à ce projet qui ne remet surtout pas en cause le fait que la Salers est une belle race, aussi avec des belles cornes, avec une belle majesté.
Alors, votre objectif, c'est d'avoir tous vos troupeaux sans cornes, ou est-ce que vous allez quand même garder pour la beauté, pour la tradition, quelques animaux avec des cornes? Alors non, nous on n'aborde pas les choses sous cet aspect. Ce qui compte pour nous, c'est la valeur génétique d'un animal. Que l'animal possède des cornes ou qu'il n'en possède pas, ce qui compte, c'est réellement sa valeur génétique, sa capacité à être autonome, sa capacité à produire une viande de qualité, à avoir une très bonne fertilité. Ce sont ces choses-là qu'on regarde avant tout. L'absence ou la présence des cornes, c'est secondaire. Ça compte, mais c'est secondaire. La priorité, c'est les qualités raciales et les qualités de production d'un animal. Merci, Renaud Lemorvan. Votre taureau est visible dans le hall 1. Il s'appelle Marceau. Pour ceux qui voudraient retrouver d'autres témoignages d'éleveurs, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet en vidéo, réussir.fr. Merci à tous et bonne journée. Merci.